Nous avons une bonne possibilité pour capable suivre ensemble avec nous le reportage ça suite à quoi ça qui signe entre le ministère touriste et l'école informatique supérieure infotonique d'Haïti. Partenariat ça qui signe entre le ministère touriste et l'école supérieure infotonique d'Haïti pour permettre aux divers côtés dans le monde de gagner une image et une explication sur l'ensemble patrimoine du pays d'Haïti gagné grâce à une option qui s'est réalité augmentée. En d'un projet ça tout, gagnons l'autre option qui c'est réalité virtuelle, ça qui pourrait permettre yon moun, quel que soit côté où yé, visiter site touristique Haïti. Donc nous avons ici une histoire et une culture qui est extrêmement puissante et intéressante, mais aujourd'hui nous devons moderniser et utiliser des outils beaucoup plus puissants que ceux que nous utilisons aujourd'hui pour en faire la promotion. Et c'est en ce sens que la ministre du Tourisme et son cabinet m'ont demandé de leur présenter quelques technologies que nous avons commencé à utiliser depuis un an et demi, deux ans, mais que c'est maintenant, je dois dire, qu'on commence à développer des compétences sérieuses dessus. Et je dois dire que très, très rapidement, la ministre a non seulement compris les enjeux de ces technologies, mais aussi a commencé à réfléchir et m'a même devancé sur le type d'utilisation qu'on pourrait en faire et comment est-ce qu'on pourrait l'intégrer dans la promotion de notre patrimoine en Haïti. Haïti, c'est le premier pays dans les Caraïbes qui peut utiliser la technologie SAIO pour vendre le patrimoine à site touristique. D'après le ministre touriste, Colombe Émilie Jessiménos. Le monsieur a été venu dans le bureau, je me songe ça très bien. En octobre, je me dis bon, ok, je vais regarder si j'ai une possibilité pour capable faire ça. Et vraiment, à mon grand étonnement, c'est ça qui était tellement marqué moi côté que l'homme parle avec monsieur Atier, me dit monsieur Atier que am besoin et font technologie pour capable ouais comment t'es capable mettre citadelle sous pied et tout ça. Et à mon grand étonnement, moi me dit non sincèrement depuis 10 mois que me déchita dans poste là, c'est première fois m'entendre un monde qui dit ça. Madame Ménos, ou pas besoin inquiéto, nous avons joué un cerveau en Haïti. Et ça te marque tellement parce que tout le monde toujours dit, on a cherché mon, on a cherché mon l'autre bord, on ceci, on cela. L'homme dit, on a pas fait une plateforme numérique pour nous faire promotion citadelle avec tout ce patrimoine historique et culturel que nous avons. Il dit, en Haïti, nous sommes capables de faire. Et là, automatiquement, moi dit, ah non, ça c'est partenaire rêvé, moi. Et on dit que n'a pas de possibilité pour nous faire Timounio, c'est ça que je dit, Timounio qui était lui-même passé dans l'école, tout, pour capable au moins travailler sous le système nan, de façon que vraiment que nous capables de montrer à tout le monde sous la terre que révolution tranquille, ce n'est pas révolution 1804 tant que je parle là, ça sont révolution tranquille parce que nous sommes les premiers. Et je vous dis, monsieur Atier fait ce deal, nous attendons encore. Ça, c'est la première fois que ça a fait au niveau de la Caraïbe. Nous défrayons la conique, j'aimerais bien dire là, je dis avant-hier tout, parce que ça, c'est la première fois que nous allons jouer. D'abord, que Citadelle lui-même, qui est patrimoine nous-mêmes, qui parle son réalité virtuelle, côté qu'on est capable d'entrer dans la salle, lui mettre un casque, et puis qu'on y a après ça, que le visiter Citadelle virtuellement. Citadelle La Ferrière, c'est le premier site ministère à mettre disponible à travers la technologie SAIO pour permettre aux gens, tout côté dans le monde, de visiter. Nous avons une bonne possibilité pour capable suivre ensemble avec nous le reportage ça suite à quoi ça qui signe entre le ministère touriste et l'école informatique supérieure infotonique d'Haïti. Partenariat ça qui signe entre le ministère touriste et l'école supérieure infotonique d'Haïti pour permettre aux gens divers côtés dans le monde de gagner une image et une explication sur l'ensemble patrimoine pays d'Haïti gagné grâce à une option qui s'est réalité augmentée. En d'un projet ça tout, gagnons l'autre option qui c'est réalité virtuelle, ça qui pourrait permettre yon moun, quel que soit côté où yé, visiter site touristique Haïti. Donc nous avons ici une histoire et une culture qui est extrêmement puissante et intéressante, mais aujourd'hui nous devons moderniser et utiliser des outils beaucoup plus puissants que ceux que nous utilisons aujourd'hui pour en faire la promotion. Et c'est en ce sens que la ministre du Tourisme et son cabinet m'ont demandé de leur présenter quelques technologies que nous avons commencé à utiliser depuis un an et demi, deux ans, mais que c'est maintenant, je dois dire, qu'on commence à développer des compétences sérieuses dessus. Et je dois dire que très, très rapidement, la ministre a non seulement compris les enjeux de ces technologies, mais aussi a commencé à réfléchir et m'a même devancé sur le type d'utilisation qu'on pourrait en faire et comment est-ce qu'on pourrait l'intégrer dans la promotion de notre patrimoine en Haïti.
Haïti, c'est le premier pays dans les Caraïbes qui peut utiliser la technologie SAIO pour vendre patrimoine à site touristique. D'après le ministre touriste, Colombe Émilie Jessiménos. Le monsieur a été venu dans le bureau, je me souviens de ça très bien. En octobre, je me suis dit, bon, ok, je vais regarder si j'ai une possibilité pour capable faire ça. Et vraiment, à mon grand étonnement, c'est ça qui était tellement marqué moi côté que l'homme parle avec monsieur Atier, me dit monsieur Atier que a besoin et font technologie pour capable ouais comment tu capable mettre citadelle sous pied et tout ça. Et à mon grand étonnement, moi me dit non sincèrement depuis 10 mois que des chita dans poste là, c'est première fois m'entendre un monde qui dit ça. Madame Ménos, ou pas besoin inquiéto, nous avons joint cerveau en Haïti. Et ça te marqué tellement parce que tout le monde toujours dit, on a cherché mon, on a cherché mon l'autre bord, on ceci, on cela. L'homme dit, on a fait une plateforme numérique pour nous capable faire promotion citadelle avec tout ce patrimoine historique et culturel que nous avons. Il dit, en Haïti, nous sommes capables de faire. Et là, automatiquement, je dis, ah non, ça c'est partenaire rêvé. Et je dis que nous avons capable une possibilité pour nous faire Timounio, c'est ça que je dis, Timounio qui était lui-même passé dans l'école, tout, pour capable au moins travailler sous. Système non, de façon que vraiment que nous capables et montrer à tout le monde sous la terre que révolution tranquille non, c'est pas révolution 1804 tant que m'a parlé là, ça sont révolution tranquille parce que nous sommes les premiers et journée jodien monsieur Atier fait ce deal n'attendait encore, ça c'est première fois que ça fait au niveau de la Caraïbe, nous défrayer la conique, j'aimerais bien dire là me dit avant-hier tout parce que ça c'est première fois que nous pas joindre d'abord que citadelle dans lui-même qui c'est patrimoine nous-mêmes qui parle son réalité virtuelle côté qu'on monde capable entrer en dans salle lui met un casque et puis qu'on y après ça que le visiter citadelle là virtuellement. Citadelle La Ferrière, c'est le premier site ministère à mettre disponible à travers la technologie SAIO pour permettre aux gens de tous côtés dans le monde de visiter. On a peur qu'on ait une bonne possibilité pour capable suivre ensemble avec nous reportage ça suite à quoi ça qui signe un ministère touriste avec l'école informatique supérieure infotonique d'Haïti. Partenariat ça qui signé entre ministère touriste avec l'école supérieure infotonique d'Haïti pour permettre monde divers côtés dans monde là gagner image et explication sur ensemble patrimoine pays d'Haïti gagné grâce à une option qui c'est réalité augmentée. En dans projet ça tout gagnons l'autre option qui c'est réalité virtuelle ça qui pourrait permettre yon moun quel que soit côté ou yé visiter site touristique Haïti. Donc nous avons ici une histoire et une culture qui est extrêmement puissante et intéressante, mais aujourd'hui nous devons moderniser et utiliser des outils beaucoup plus puissants que ceux que nous utilisons aujourd'hui pour en faire la promotion. Et c'est en ce sens que la ministre du Tourisme et son cabinet m'ont demandé de leur présenter quelques technologies que nous avons commencé à utiliser depuis un an et demi, deux ans, mais que c'est maintenant, je dois dire, qu'on commence à développer des compétences sérieuses dessus. Et je dois dire que très très rapidement, la ministre a non seulement compris les enjeux de ces technologies, mais aussi a commencé à réfléchir et m'a même devancé sur le type d'utilisation qu'on pourrait en faire et comment est-ce qu'on pourrait l'intégrer dans la promotion de notre patrimoine en Haïti. Haïti, c'est le premier pays dans les Caraïbes là qui peut utiliser la technologie SAIO pour vendre patrimoine à site touristique, d'après le ministre touriste là, Colombe Émilie Jessiménos. Le monsieur Atier vient dans le bureau, je me songe ça très bien. En octobre, je me dit, bon, ok, je vais regarder si j'ai une possibilité pour capable faire ça. Et vraiment, à mon grand étonnement, c'est ça qui était tellement marqué moi côté que l'homme parle avec monsieur Atier, me dit monsieur Atier que a besoin et font technologie pour capable ouais comment tu capable mettre citadelle sous pied et tout ça. Et à mon grand étonnement, moi me dit non sincèrement depuis 10 mois que je comme des chita dans poste là, c'est première fois m'entendre un monde qui dit ça. Madame Ménos, ou pas besoin inquiéto, nous avons joint cerveau en Haïti. Et ça te marqué tellement parce que tout le monde toujours dit, on a cherché mon, on a cherché mon l'autre bord, on ceci, on cela. L'homme dit, on a fait une plateforme numérique pour nous capable faire promotion citadelle avec tout ce patrimoine historique et culturel que nous gagnons. Il dit, en Haïti, nous sommes capables de faire. Et là, automatiquement, moi, je dis, ah non, ça c'est partenaire rêvé, moi. Et on dit que n'a pas capable gain possibilité pour faire Timounio, c'est ça que je dit Timounio qui était lui-même passé dans l'école en tout pour capable au moins travailler sous et système non, de façon que vraiment que nous capable et montrer à tout le monde sous la terre que révolution tranquille non, c'est pas révolution 1804 tant que m'a parlé là, ça sont révolution tranquille parce que nous sommes les premiers et journée jodien
Monsieur Atier fait ce deal, nous attendons encore. Ça, c'est la première fois que ça fait au niveau de la Caraïbe. Nous défrayons la chronique, j'aimerais bien dire, je dis avant-hier tout, parce que ça, c'est la première fois que nous pas joindre. D'abord, que Citadelle lui-même, qui c'est patrimoine nous-mêmes, qui parle son réalité virtuelle, côté qu'on est capable d'entrer en dans la salle, lui met un casque, et puis qu'on y a après ça, que le visiter Citadelle virtuellement. Citadelle La Ferrière, c'est le premier site ministère à mettre disponible à travers la technologie SAIO pour permettre aux gens de tous côtés dans le monde de visiter.